Présent durant le festival du film francophone d'Angoulême, Romain Duris n'a pas caché sa joie de retrouver sa partenaire à l'écran, Emma Maki, Sex Education. Présent lors du photocall du film Eiffel du réalisateur Martin Bourboulon, l'acteur de 47 ans était aux anges de pouvoir partager l'affiche aux côtés de son ami. Alors que sur grand écran, les deux acteurs incarnent un couple éperdument amoureux, face au photographe, le compagnon d'Olivia Bonamy et la jeune actrice ont affiché une amitié sans faille. Leur sourire et leur regard complice en témoignent, voir diaporama. À les voir si proches, il est difficile de croire que les deux ont 22 ans d'écart. En 2019, alors membre du jury du festival de Kanzeri, Emma Maki avait déjà partagé les prémices de cette amitié avec l'interprète de Xavier dans L'Auberge espagnole, 2002. Au Parisien, la star de 25 ans s'était d'abord exprimée sur ses projets, on démarre le tournage de la saison 2 de Sex Education dans 3 semaines. Et de poursuivre, au sujet de celui qui incarne Gustave Eiffel, j'ai tourné un film avec Romain Duris qui, si tout se passe bien, est prévu. On vient d'ailleurs de se rencontrer ici à Kanzeri. Nul doute que l'actrice d'origine anglaise parlait du film de Martin Bourboulon. Concernant la première projection de l'année au Festival d'Angoulême, la productrice du film Eiffel, Vanessa Van Zuylen, a partagé quelques mots avec les spectateurs. Au nom de toute l'équipe, je suis heureuse de faire l'ouverture du festival avec ce film qui représente l'audace à la française. Le FA ressemble au film, CIST, un festival généreux, populaire, ouvert à tout le monde. Et de poursuivre, Eiffel, CIST, un vrai travail d'équipe, je suis incroyablement fier, CIST, vraiment le film d'une vie. Nous avons repoussé la sortie du film 6 fois, cela avait peut-être un sens, pour nous permettre d'ouvrir la 14e édition du FA, comme s'il était notre trèfle à 4 feuilles.